Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Peter Kazadi, a pris part ce mardi 24 octobre au stade Tata Raphaël de Kinshasa, à la clôture de la formation des éléments des forces spéciales de la Légion nationale d'intervention, LNI, de la police nationale congolaise. Il a invité ces policiers des forces spéciales à consacrer leur carrière au service de la population congolaise. Dans la suite de son allocution, Peter Kazadi a appelé ces derniers à apporter un plus dans les opérations de la police nationale congolaise sur terrain, notamment en protégeant efficacement la population et ses biens. Peter Kazadi a également mis l'accent sur la discipline, qui devrait se caractériser par l'obéissance au commandement et au respect des lois de la République. En plus des capacités physiques développées, Peter Kazadi a estimé que les forces spéciales de la police nationale devraient également développer le mental, afin de parvenir à résister devant n'importe quelle circonstance. Police nationale congolaise. Au service de la nation. Police nationale congolaise. Au service de la nation. Police nationale congolaise. Au service de la nation. Yaliboso, Natindeli Mbote ya Tata Mokonzi. Le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Azali Ndenge Nalobaki Mbalasima, Misunaye, Ezali Surbino. Nabanzi Smene Lekina Lekaki Awa, Nassista Kinandambwa exercice. Lelo Ezalaki exercice Yasuka, Elingi Koloba, Bosilisi formation Nabino. Ndenge Nalobaki, la nation a investi en vous. Non pas pour que ma connaissance soit ma technique, ma combat, ma combinaison soit ma technique, à des fins privées, mais pour la protection de la patrie. Boebi, toute armée sans discipline n'en est pas une. Vous faites partie des corps, de ces corps, des forces de défense et de la sécurité du pays. Et vous devez honorer votre serment. Boebi serment na bino na ko rappelé bino angote et sengeli ko honoré ango. C'est sûr et certain qu'après 4 mois de formation, Bobaki si ba capacité physique na bino. C'est très bien. Mais en plus, il y a ba capacité physique. Ce qui boza na ba capacité mentalité, onyon so bouti kozoa, eza zéro. Être soldat, c'est d'abord un état d'esprit. Ce qui est esprit na yo, est disposé, ya kozwa la soldat te, oyo nyonso okozwa comme formation, okeseni na civilité. Bon, ba exercice bosali awa, ce qui oza mouto a esprit te, ndenge bakinwa balobaka, oko résiste te. D'où la nécessité de développer votre mental. L'État, société a bino ba moyen nyonso bozana ba arme bozana équipement ba formé bino physiquement o etikali mental ezali travail ya mutu moko na moko mentalement boye bake bozali les seuls congolais parmi les congolais oyo ba reconnaître ndenge na répétaka exercice ya violence légitime. C'est un droit. Vous reconnu par la société et vous devez exercer ces droits chaque fois qu'il le faut. C'est ce qui fait de vous l'élite de la société. Ce qui mon esprit, les alliés mental, les duretés face à moi trouble mouke okimi otiki mundu kokei. Et la société aura investi pour rien. Je suis convaincu que binonyon soboyekoli balwa wana yamboka
okoto sa commandant na yo oko respecter mibe kwa mboka. Ce sont les deux outils qui doivent vous caractériser, l'obéissance au commandement et le respect des lois et règlements de la République. Société congolaise, ils ont compté sur Binon. Sans la police, la société n'existe pas. C'est la jungle, c'est le désordre. Voilà pourquoi Bazo Bengabino, agent de l'ordre, vous êtes là pour mettre de l'ordre et non pas pour mettre le désordre. Parce que, avec les moyens qu'on vous a donnés, ce qui vous a discipliné, ce qui vous a mis en ordre, c'est le chaos dans la société. Je répète, le peuple congolais compte sur vous. Vous voyez que tenue bolat, équipement bolat, collier à bolier pendant tout ce temps et la formation. Ils ont outre la poche à Congolais. Andimi pour investir Katina Bino pour qu'en retour, Bino va assurer paix, tranquillité et sécurité. Ayez ça à l'esprit constamment. Vous êtes là pour les peuples, pour protéger les peuples. Protéger les peuples, c'est lutter contre ceux qui font du mal à ces peuples. Ceux qui violent les règlements et les lois de la République. Bawanande, boko se saisir na bango, boko maîtriser bango pour que les peuples, les paisibles, soient calmes et à l'aise.